Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez les plaques? On continuera donc. Voilà. Donc, je vous disais que l'examen complémentaire ne doit en aucun cas retarder le traitement. Donc, traitement posé, on commence le traitement thrombotique et on pense à la revascularisation du patient le plus tôt possible. D'accord? Donc, voilà, ça c'est la courbe tout à l'heure. On a vu ça. L'examen complémentaire, la coronarographie, donc urgente. On parlera d'angioplastie primaire, elle est réalisée en urgence. On parlera d'une angioplastie de sauvetage, elle est réalisée après la thrombolyse. On parlera d'angioplastie différée, elle est réalisée en l'absence de revascularisation coronaire urgente. Évolution. L'évolution, elle est imprévisible. Elle peut être émaillée de complications, en particulier en mort subite. Donc là, je vais insister sur ce point-là. Donc, plus de 50% de la mortalité liée au syndrome coronarien aigu ST+, elle est en rapport avec des troubles du rythme, notamment en préhospitalier, notamment la fibrillation ventriculaire. Donc, le colloque flé en fait, ce qui a tué le patient, c'est la fibrillation ventriculaire. Si jamais le patient était à côté d'un défibrillateur, hop, on le choque et il récupère tout de suite. D'accord? Donc, ce qu'on craint le plus, c'est la fibrillation ventriculaire. Et la seule chose, le seul geste salvateur à ce moment-là, c'est le choc électrique externe. D'accord? Les éléments de surveillance sont l'examen pluricotidien, pardon, les constantes vitales, le CG, l'évolution peut être favorable uniquement si le patient est revascularisé très tôt, l'artère est reperméabilisée et notre patient il va avoir une régression de la douleur et il sortira rapidement. Malheureusement, parfois, on peut avoir des complications qui sont précoces et tardives. On va les détailler tout à l'heure. Le pronostic, il est imprévisible. Complications rythmiques, 50% des décès préhospitaliers, je viens de vous l'expliquer. La mortalité hospitalière globale, elle est de 5 à 15%. Le pronostic dépend de plusieurs paramètres. Premier préférant, donc, c'est le temps avant la revascularisation myocardique. Deuxièmement, c'est l'étendue de la nécrose. Évaluation du risque rythmique. Étude de la valeur fonctionnelle du myocarde. Les bilans des lésions coronaires et le terrain du patient. Donc, évaluation du risque après l'EDM. Étendue de la nécrose. Évaluation du risque d'insuffisance cardiaque. Éléments cliniques, c'est les calcifications cliniques. Éléments biologiques, l'étendue du syndrome. L'étendue de la nécrose myocardique avec les marqueurs, donc de nécrose myocardique, notamment les CPK et les troponines, évaluation échographique avec étude de la fonction VG après un mois, évaluation du risque arythmique, évaluation du risque de mort subite, c'est une évaluation de la fonction VG aussi, évaluation donc, étude de la valeur fonctionnelle du myocarde. Recherche d'ischémie résiduelle, recherche de la viabilité myocardique. Pas généralement une scintigraphie myocardique de viabilité, une échographie à la Dobu et une IRM cardiaque. Vous m'entendez ou pas? On continue. Donc, bilan des lésions coronaires, c'est basé surtout sur la coronarographie, bien sûr. Réalisé en phase aiguë, angioplastie primaire ou de sauvetage. Différé, c'est une récidive angineuse. Siège étendu des sténoses coronaires. Le terrain, l'âge. Les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le diabète, la dyslipidémie et la fonction rénale. C'est-à-dire, un infarctus chez un patient jeune qui n'a aucun facteur de risque cardiovasculaire,
sur une artère coronaire droite avec un territoire nécrosé pas très étendu n'a pas le même pronostic malheureusement qu'un patient de 65 ans qui est diabétique, hypertendu, dyslipidémique, qui a un infarctus étendu, antérieur étendu, revascularisé tardivement. Donc, j'insiste sur le délai de la reperfusion et la FEVG résiduelle. Vraiment, c'est les deux facteurs desquels dépend le pronostic de notre patient. La prise en charge thérapeutique. Donc, diagnostic fait, hospitalisation en unité de soins intensifs, monotérapie, PCG, repos oxygénothérapie. Sans attendre, le patient doit bénéficier d'un traitement antithrombotique. Le traitement antithrombotique donc, doit comprendre du clopidogrel, 600 mg, de l'aspégic, 250 mg, et un traitement anticoagulant, heparine ou HPPM. C'est sans attendre. Diagnostic posé, le patient reçoit un traitement antithrombotique. Par la suite, on doit penser rapidement à la reperfusion myocardique. Deux méthodes. La reperfusion mécanique par une angioplastie primaire, la reperfusion pardon, pharmacologique par la thrombolyse. D'emblée, je vous dis, dès qu'il y a une salle de cathétérisme avec un personnel entraîné et un cathétériseur expérimenté, il faut toujours privilégier l'angioplastie. D'accord? Donc, deux méthodes de reperfusion, ça je vous l'ai dit. Donc, la thrombolyse ou la fibrinolyse, c'est quoi? C'est la lyse des mailles de fibrine, la transformation du plasminogène en plasmine, dissolution du caillot sanguin, on l'injecte par voie intraveineuse, plusieurs molécules, cryptokinase, ATPase, réseptase, la plus utilisée actuellement, c'est la tenecteplase la plus efficace. Par contre, il y a un risque hémorragique important. C'est pour ça qu'il y a des contre-indications à la thrombolyse. Généralement, ça fait aussi l'objet de questions d'examen. Quelles sont les contre-indications de la thrombolyse? Les contre-indications absolues sont un AVC hémorragique ou AVC d'origine inconnue, AVC ischémique il y a 6 mois, inférieur à 6 mois, traumatisme crânien ou néoplasie cérébrale, traumatisme majeur récent ou chirurgie récente inférieur à 3 mois, hémorragie digestive inférieur à 1 mois, dissection aortique, ponction non compressible dans les 24 heures. Les relatifs sont insuffisance hépatique, massage cardiaque externe, traitement par AVK et HTA sévère. D'accord? Si le patient est thrombolysé, quand est-ce qu'on dit que le caillot a été dessous et qu'on a une reperfusion myocardique? On parlera de critères de succès de la thrombolyse. Pareil, ça fait toujours généralement l'objet de questions d'examen. Clinique, c'est la régression de la douleur. Électrique, c'est la régression du fils décalage de plus de 50% et ou l'apparition d'un trouble de rythme type RIVA, rythme idioventriculaire accéléré, c'est une tachycardie ventriculaire à 80 battements par minute. On la respecte, on ne donne pas de traitement antiarythmique, c'est un critère de reperfusion myocardique, la REVA. Biologique, c'est un pic précoce des enzymes cardiaques. Angiographique, lorsqu'on fait la coronarographie, on va trouver un flux artériel qui est normal. Ces quatre critères-là sont les critères de succès de la thrombolyse. D'accord? Il y a une question, peut-on réaliser d'emblée l'angioplastie sans passer par la thrombolyse? Bien sûr, généralement on fait l'angioplastie sans thrombolyse. Je vais vous expliquer les indications de l'une et de l'autre. Donc je vous dis, d'emblée, dès qu'on a une salle de cathétérisme disponible, on fait l'angioplastie d'emblée, pas de thrombolyse. L'angioplastie coronaire, c'est la reperfusion mécanique. Pareil, on fait passer un guide. Je vais vous montrer les images tout à l'heure, comment ça se passe. Donc, angioplastie, trois types. Primaire, si elle est réalisée d'emblée. De sauvetage, si elle est réalisée après une thrombolyse. Complémentaire, c'est à distance. Donc, choix thérapeutique.
L'avantage de la thrombolyse, c'est qu'elle est d'utilisation facile, elle est disponible, rapide et à un coût faible. L'angioplastie, l'efficacité, elle est élevée, traite la lésion coupable, risque hémorragique plus faible, contre-indication plus rare. Les inconvénients, c'est le risque hémorragique pour la thrombolyse, l'efficacité limitée et le risque de récidive. Par contre, l'angioplastie, elle n'est pas toujours disponible. Le délai de la mise en route et le coût élevé, elle est vraiment opérateur dépendant, l'opérateur doit être entraîné. Les indications, donc, dès que possible, faire l'angioplastie, ça, il n'y a pas de doute. Si le délai il est inférieur à 120 minutes, entre le moment où on a fait le diagnostic et le moment où le patient arrivera en salle de cathétérisme où on va passer le guide, il est inférieur à 120 minutes, on va opter pour l'angioplastie. C'est-à-dire, plus clairement, c'est-à-dire un patient consulte aux urgences, c'est l'eau. Donc le patient, il consulte à jeu de la douleur, le patient, il a mal. Nous, on a une salle de cathétérisme qui est disponible 24 sur 24. Donc on va opter pour l'angioplastie. On ne va pas attendre. Par contre, le patient, il va consulter Pelgasserie. Donc, malheureusement, il n'y a pas de salle cathétérisme disponible sur place. Et le délai entre le diagnostic et la réalisation, si on va le transférer à Sahloul, ça va prendre plus que 120 minutes. À ce moment-là, on va le thromboliser et le transférer tout de suite à un service où il y a une salle de cathétérisme pour voir ce qui va se passer. S'il y a un succès de thrombolyse, la coronarographie elle est réalisée dans les 2 à 24 heures. S'il y a un échec, le patient entrera tout de suite à son arrivée pour une angioplastie de sauvetage. Est-ce que c'est clair? Allô? Parfait. Donc, ce schéma-là, il va vous résumer les différentes situations. Hein. Voilà. Vous avez là une douleur thoracique, le patient qui consulte là pour une douleur thoracique. Donc, généralement, il peut appeler le SAMU. Le SAMU va venir, il va le transférer, il va poser le diagnostic du syndrome coronarien aigu ST+. Si il est une salle de cathétérisme, il est disponible dans les 2 heures, c'est-à-dire inférieur à 120 minutes, on va opter pour l'angioplastie primaire. Si on est à plus de 120 minutes d'une salle de cathétérisme disponible, on va opter pour la thrombolyse et le transfert de patients dans un centre où il y a une salle de cathétérisme. D'accord? Le traitement anti-agrégant plaquettaire, il est à base d'aspirine, de clopidogrel. Parfois, on donne ça et on réalise la coronarographie. On voit que le patient, il a encore des douleurs thoraciques. Il a encore à l'imagerie, on voit encore beaucoup de thrombus. On peut ajouter un troisième médicament qui est l'hélicoprotéine 2B3A. Traitement anticoagulant, l'héparine et l'HBPM. Les traitements, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les contre-indications bêta-bloquants ne sont pas donnés à la phase aiguë. Hein. Ça, c'est le lendemain. Les IEC, pareil, c'est le lendemain. Traitement des complications. On peut avoir des complications hémodynamiques, rythmiques, mécaniques, ischémiques, complications thrombophiliques et péricardiques. On va en parler tout à l'heure. La revascularisation coronaire, en fonction de l'état des coronaires, fait appel à l'angioplastie coronaire et les pontages artho-coronaires. Et là, on va faire c'est un patient, ce patient-là, c'est un patient qu'on a eu ce matin. C'est un patient de 65 ans, il est hypertendu, il est diabétique, dyslipidémique, il a consulté à H2 de la douleur, d'une douleur thoracique. Donc qu'est-ce qui manque? Donc, il manque la description de la douleur, donc, c'est-à-dire une douleur constrictive qui dure de façon continue depuis 12 heures, elle irradie vers le membre supérieur gauche. Et qu'est-ce qu'il faut réaliser chez ce patient? Rapidement, allez, l'examen complémentaire à réaliser. Le CG, parfait. Allez, interprétez le CG. Vous avez 30 secondes, allez.
Donc voilà, vous avez tous. Donc, je veux la description de. Voilà, donc le patient en consulte à la zone du low thoracique. Le CG nous montre un rythme régulier sinusal à 75 battements par minute. Avec un rythme régulier sinusal, l'axe il est normal. Et d'emblée, on voit un sus décalage du ST de 2 mm qui englobe l'ANT en D2-3 AVF et en inférieur. Avec une image en miroir, vous voyez là le sus décalage du ST en V1, V1, V2, V3. Il s'agit d'un syndrome coronarien aigu avec sus décalage persistant du segment ST qui consulte à H2 de la douleur. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut chez ce patient-là? Quel médicament, qu'est-ce qu'il faut chez ce patient-là? Quelle est votre conduite à tenir? Allez rapidement. Voilà, ces mots-là, je ne les aime pas du tout, moi. Angioplastie, angioplastie, angioplastie. J'aime le mot que je veux dire, revascularisation myocardique, d'abord. Donc, le mot qui doit sortir, c'est la revascularisation myocardique et traitement antithrombotique. C'est les deux mots qui doivent sortir pour moi. Donc, conditionnement de notre patient, on le conditionne. On lui administre un traitement antithrombotique à la base d'aspégique, de clopidogrel et d'héparine. Et je pense à le revasculariser, à reperméabiliser son artère. Donc, là, on est à celle où on entre en angioplastie. La meilleure méthode, c'est la. L'angioplastie. D'accord? Donc, le mot qui doit sortir, le mot revascularisation. D'accord? D'après vous, quelle serait l'artère coupable? J'attends vos réponses. Allez, idième inférieur. Quelle est l'artère coupable? Donc, comme je vous l'ai dit, dans 2/3 des cas, c'est la coronaire droite. 1/3 des cas, c'est la circonflexe. D'accord? Donc, j'ai réalisé cette façon-là une coronarographie par voie radiale. Voilà le film. Donc là, j'injecte la coronaire. Après, je fais passer un guide à travers l'artère. Voilà, le guide, il est passé. Après, et là, je mets un cintre. J'ai mis ma cintre. Voilà la cintre que je gonfle à 16 atmosphères. Là, je l'ai gonflé à 16 atmosphères. Donc, j'ai largué mon cintre. Et voilà l'image finale. D'accord? Donc, on est passé d'une artère complètement occluse à une artère perméable. Et voilà cette fausse artère qui revascularise notre myocarde. C'est clair pour vous tous? Voilà. On va passer au dernier chapitre de ce syndrome coronarien aigu ST, qui est très important aussi, c'est les complications du syndrome coronarien aigu ST+. Donc, elles sont fréquentes, constituent toute la gravité de la maladie. La fréquence, elle a diminué grâce à la revascularisation coronaire. On distingue des complications aiguës et des complications tardives. On a trois grands groupes, de complications hémodynamiques, de complications rythmiques, des explications mécaniques. Les complications précoces sont l'insuffisance ventriculaire gauche, c'est-à-dire 30% des IDM. C'est un facteur prédictif puissant de mortalité précoce et tardive. Mécanisme, c'est l'étendue de nécrose. Lorsqu'on a une nécrose qui est supérieure à 20 à 30%, les signes d'insuffisance ventriculaire gauche vont commencer à apparaître. D'accord? Donc,
D'où la classification CLIP, elle est en rapport. Stade 1, il n'y a pas de râle crépitant. Stade 2, c'est les râles crépitants au niveau des deux bases. Stade 3, les râles atteignent deux tiers des deux champs pulmonaires. Stade 4, c'est l'état de choc cardiogénique. Deuxième complication, c'est l'état de choc cardiogénique. 5 à 10% du deuxième. Le pronostic, elle est sombre. Et la mortalité, elle est très élevée. Elle est entre 50 et 90%. Mécanisme, une nécrose très attendue. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont consulté tardivement avec une nécrose myocardique supérieure à 40%. Généralement, l'artère coupable, c'est l'artère ventriculaire antérieure. L'insuffisance ventriculaire droite, c'est l'extension au ventricule droit. Et d'après vous, quelle est l'artère responsable? Allez. Quelle est l'artère? Quel infarctus se complique d'insuffisance ventriculaire droite? J'attends vos réponses. Hein. Donc, je ne vois pas de réponse. Donc, la réponse, c'est l'édème inférieur. Le pourquoi, c'est parce que l'édème inférieur, l'artère coupable, c'est la coronaire droite. Et c'est la coronaire droite qui donne l'artère qui vascularise le ventricule droit. C'est la marginale du bord droit du cœur. D'accord? C'est la marginale du bord droit du cœur. D'accord? Donc elle s'appelle la marginale du bord droit du cœur. Elle naît de la coronaire droite. Donc ce sont les infarctus inférieurs qui se compliquent d'une insuffisance cardiaque droite. Là, c'est une question un peu difficile que je vais vous poser. Dans quel cas l'infarctus antérieur se complique d'insuffisance ventriculaire droite? On a deux signes d'insuffisance ventriculaire droite sur un infarctus antérieur. Vous avez 10 secondes, allez. Je vois que je n'ai pas de réponse. Oui, l'occlusion de l'IVA donne un infarctus antérieur, c'est vrai. Mais quand est-ce qu'il va y avoir des insuffisances ventriculaires droites? Généralement, l'IDM antérieur donne une insuffisance cardiaque gauche. À quel moment il peut donner, à l'occasion de quelles complications, pardon, il peut donner une insuffisance ventriculaire droite? Je vais vous donner la réponse. Parfois, l'infarctus antérieur peut avoir une complication mécanique qu'on appelle la communication interventriculaire. Parce qu'on a un CIV, on peut avoir un tableau d'insuffisance cardiaque droite associé à celui de l'insuffisance cardiaque gauche. D'accord? Mais ce que vous retenir à votre. Voilà, ça c'est la rupture septale. Bravo, je ne sais pas qui a répondu, mais ça c'est la rupture septale. Donc, la coronaire droite, donc, à votre stade, ce qu'il faut retenir, un infarctus inférieur. C'est lui qui peut se compliquer d'une extension au ventricule droit. D'accord? Quatrième complication, c'est le choc vagal. Généralement, c'est l'IDM inférieur. C'est-à-dire qu'on peut avoir une bradycardie sinusale avec une chute tensionnelle qui répond au remplissage et à l'atrophie. D'accord? Parfois, on peut même avoir un DBAV. Hein? Les BAV, lors d'un IDM inférieur, les blocs au recul au ventriculaire, lors d'un IDM inférieur, sont très fréquents. Ils sont généralement en rapport avec une hypertonie vagale. Et le patient récupère par l'injection d'atropine. D'accord? Les complications mécaniques, la rupture libre de la paroi du BG, c'est un tableau d'état de choc, tamponnade péricardique, situation électromécanique, la mortalité elle est quasi constante. L'IM ischémique, il y a deux formes, l'IM suraigu pour rupture du pilier postéro-médian lors d'un IDM inférieur. L'IM aigu, c'est la distorsion ischémique du pilier sans rupture. Généralement, c'est un tableau d'état de choc au dos AP avec un souffle d'UM. Et généralement, c'est l'un de très mauvais pronostics. On a recours à la chirurgie avec des résultats, des mortalités très, très élevées, malheureusement. Pareil, la CIV, les complications mécaniques, c'est la rupture de la septale. C'est ça, la complication mécanique la plus fréquente, état de choc plus EAP,
le souffle du CIV, la mortalité, elle est très élevée, hein, parce que le tissu tout autour, il est friable, on n'arrive pas à fermer la CIV. On a essayé de fermer quelques-unes par voie percutanée ici, mais pareil, la mortalité reste très élevée. Les complications rythmiques, et là, le trouble du rythme, extrasystole peut être auriculaire ou ventriculaire, trouble du rythme auriculaire, fibrillation auriculaire, trouble du rythme ventriculaire, les TV et les FV, c'est trouble du rythme ventriculaire précoce, inférieur à 48 ans, à 48 heures. Ça ne dépend pas de l'étendue de la nécrose. Une fois on a choqué le patient et l'a récupéré, ça ne va pas avoir de répercussions sur le pronostic à long terme. Par contre, le trouble du rythme ventriculaire qui apparaît de façon tardive après la revascularisation, c'est-à-dire supérieur à 48 heures, c'est des troubles qui sont en rapport avec l'étendue de la néphrose et la fibrose. Leur pronostic est péjoratif et les patients vont avoir besoin d'un défibrillateur automatique implantable. Les complications rythmiques sont les troubles de la conduction aussi, notamment les bradycardies sinusales, les blocs de branches et les blocs auriculo-ventriculaires. Et dans le bloc auriculo-ventriculaire, il faut différencier les BAV en rapport avec un IDM inférieur et les blocs auriculo-ventriculaires en rapport avec un IDM antérieur. Les BAV en rapport avec un IDM inférieur, leur siège est généralement nodal. Leur mécanisme, dans 90% des cas, c'est vagal. Progressif du BAV1 jusqu'au BAV3, les QRS en 20, enfin, la dispersion, elle disparaît après la repercussion. Ça répond à l'atropine et la mortalité est faible. Par contre, pour l'IDM antérieur, c'est intra-haïtien, c'est en rapport avec la nécrose du septum interventriculaire, l'artère responsable c'est l'IVA, il est brutal ce BAV, les QRS est là, il persiste même après reperfusion et on a toujours besoin du centre d'entraînement électrosystolique. Les complications ischémiques, on peut avoir des réinfarctus et des menaces de l'extension du lidien. Les complications thromboemboliques, thrombose veineuse profonde et les embolies systémiques. Complications péricardiques, telles qu'un effondrement péricardique. Et là, on va passer aux complications tardives. Quelles sont les complications tardives? C'est l'anévrisme du VG. L'anévrisme du VG, il est suspecté à chaque fois on a un sous-décalage persistant du segment ST au-delà de 3 semaines. C'est-à-dire, on fait un ECG à 3 semaines de l'infarctus, on trouve un sous-décalage qui persiste, on doit penser à cette complication-là. C'est la modification de la silhouette cardiaque à la radiothorax, le diagnostic et l'échographique, le risque, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est le trouble du rythme, et aussi la formation de thrombus, les embolies systémiques. Voilà, c'est la déformation là, de la silhouette cardiaque, c'est l'anévrisme du VG. Et à l'écho, là, on voit là, un thrombus avec un anévrisme de la pointe du ventricule gauche. Donc, vous avez un patient de 65 ans. Ça, c'est ce que vous verrez. Ça, je l'ai fait. On l'a fait. Donc, on en reste 10 minutes. Donc, les autres complications, par exemple, tardives, sont le syndrome pleuropéricardique de Ressler, l'insuffisance cardiaque, l'IM ischémique ou chronique, l'angor résiduel, l'évolution de la maladie coronaire et la mort subite. Pour le syndrome pleuropéricardique de Dressler, c'est-à-dire le patient, il consulte à moins d'un infarctus pour douleur thoracique. Je lui fais une échographie cardiaque, je trouve un épanchement péricardique. C'est le syndrome de Dressler, ça répond aux anti-inflammatoires et il disparaît. Est-ce que vous avez des questions? Par quel mécanisme on peut dissocier le caillou par le cathétérisme? Déjà, on passe le guide à travers le caillou là, et lorsqu'on impacte le stent, on va écraser le caillou, on va reperméabiliser l'artère. Dans le SM1, est-ce qu'on trouve un sous-décalage? Dans le SM1, on peut trouver un sous-décalage du segment ST. On peut avoir des entrées négatives
Et on peut avoir un décalage non persistant du segment ST. Le sous-décalage du ST est retenu lorsqu'il dépasse 1 mm ou 2 mm. Le sous-décalage, il est retenu lorsqu'il dépasse 1,5 et 2 mm dans les dérivations antérieures généralement, lorsqu'il dépasse 1 mm dans les dérivations inférieures. Un aspect de bloc de branche gauche témoigne d'un syndrome conaigu ST+. C'est-à-dire, votre question, un patient consulte pour une douleur thoracique qui évolue par exemple depuis 12 heures. Tu lui fais un électrocardiogramme. Qu'est-ce que tu vas trouver? Tu lui dis qu'il trouve un bloc de branche gauche. Parmi les critères de bloc de branche gauche, c'est quoi? Un sous-décalage du segment ST en V1, V2. Donc, devant la douleur thoracique et le sous-décalage du segment ST, on va poser le diagnostic de ST+ jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'il est conseillé de prendre la musique lors d'un temps qu'on a eu avant l'arrivée à l'hôpital? C'est-à-dire, si le SAMU il le donne tout de suite lorsqu'il pose le diagnostic, mais le patient on ne va pas savoir si c'est un temps qu'on a eu ou pas. Mais le SAMU le donne bien sûr dès le diagnostic à la maison, il va lui donner de la musique. Mais le patient ne peut pas poser le diagnostic tout seul, sauf si c'est les médecins. Pas d'autres questions? Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Donc, c'est une question très importante qui fait généralement objectif de plusieurs questions pour l'examen. Donc, très important à retenir. Dans le cas de cathétérisme, est-ce qu'il y a un risque de rupture des emboles et leur migration donnée autre occlusion? Oui, mais ça, même si les emboles vont migrer, ils vont migrer distalement. Mais la question elle est pertinente lorsque l'occlusion elle est par exemple proximale, dans une EVA proximale, on est proche du tronc commun et de la circonflexe, le thrombus peut migrer et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Hein. Même si on va poser le cathétérisme, on donne quoi comme traitement médical en attendant l'angioplastie? Tous les doivent bénéficier du traitement antithrombotique à la base du clopidogrel, d'aspégique et d'héparine. Est-ce qu'il existe des images en miroir dans les SMO? Non, pas de miroir en SMO. Lorsqu'on fait un pontage de la zone sténosée, ne risque pas la nécrose? Non. Le pontage, on va court-circuiter. C'est-à-dire, juste après la sténose, on va mettre un pontage qui va vasculariser toute l'aval de l'artère. Et en amont de la sténose, l'artère, elle est perméable, donc il n'y a pas de nécrose. Ok. Voilà. Est-ce que Dr. Sim vous a programmé d'autres séances pour cette semaine ou pas encore? Et est-ce que vous avez des propositions pour les objectifs qu'on va aborder? Vous voulez voir les diapos au sujet normal pathologique? Vous pouvez envoyer l'un de vos collègues au service de cardiologie, il peut récupérer le DVD et va vous le distribuer. Donc, cours HCA, oui, on peut faire ça, donc HCA, on peut faire ça. Valvulopathie, est-ce que c'est clair pour vous? Ok, je vais voir si je suis disponible demain. Il est possible que je vous organise valvulopathie aortique demain. Donc demain, valvulopathie aortique, on va voir si c'est 11h ou 15h. Et on va dire valvulopathie aortique demain. Rétrécissement aortique et insuffisance aortique. Pour ceux parmi vous qui souhaitent voir comment se passe réellement le cathétérisme cardiaque et les angioplasties, vous pouvez vous organiser, venir par deux en salle de cathétérisme, vous êtes le bienvenu. D'accord? Allez, au revoir, ou chez Taïban.